Là, je t'enregistre. C'est bon, continue comme ça. Okay. Pause après les sujets, instant, c'est moins important. En 3, 2, 1. Toujours à Gatineau, un bris d'aqueduc dans le secteur Limbourg force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau potable est complètement interrompue pour les résidences à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours des rues Pointe-Pelée, Saint-Louis, Paquin, de l'avenue du Bic et de la... J'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Une autre... Stop. Regarde ton texte à table. Entre chaque texte... Faut que je tourne la page. Entre chaque texte, regarde, puis relève okay. la tête. Pour okay. montrer que tu changes de sujet. Oui. OK. En continue. En 3, OK. Ce que tu fais, c'est que tu regardes et tu vas dire en 3, 2, 1, tu fais. OK. 3, 2, 1. Excellent. Une autre tuile sur la tête du Gitami à Gatineau. L'organisme qui vient en aide aux sans-abri doit maintenant arrêter de servir ses soupers aux personnes qui ne sont pas hébergées. L'an dernier, le Gitami a servi environ 1000 repas à des visiteurs, en plus de 3000 à des résidents. Les contraintes budgétaires le forcent dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire à l'aide aux sans-abri. OK. Sourire, texte. La relève scientifique était au rendez-vous lors de la 55e édition d'Expo Science. Une occasion pour ces passionnés de présenter le fruit de plusieurs mois de travail. Notre journaliste Francis Gourde était sur place. Alors Francis, c'est une grande journée pour tous ces jeunes. OK. Le premier club politique au Collège La Cité a vu le jour il y a à peine quelques semaines. Le premier club politique après le club de La Cité, pause. OK, continue. Le mouvement étudiant révolutionnaire affirme vouloir fournir aux jeunes une autre vision du monde. On en parle avec Giovanna Bracus. Giovanna, en quoi consiste le mouvement étudiant révolutionnaire? Excellent, on continue. La coopérative Retrouvez-vous a lancé sa toute première campagne de publicité aujourd'hui. Elle a pour but de faire réfléchir la population sur le fléau du divorce et de réconcilier les familles. Le reportage de Cindy Castillo. Reste à l'écran 2 secondes. OK, continue. Amateurs de sucre d'érable, ne désespérez pas. Le temps froid qui perdure, la saison qui s'annonce prometteuse pour les érablières... Il me manque un verbe. Okay. Dont la sucrerie du terroir à Valdémont. Samuel Lévesque s'est rendu sur place et a constaté que les érables coulent à flot. Voici ce qu'il a préparé. Excellent, parfait, continue. Au retour, les nouvelles nationales et internationales avec Nina Guy. Super, OK.